Cela fait plus de 50 ans maintenant que la Fondation Prince Pierre récompense la création contemporaine dans les domaines littéraires, musical et artistique. Mardi soir, elle dévoilait son palmarès pour cette année 2012 en présence de la présidente de la Fondation, la princesse Caroline de Hanovre. Et avant de dévoiler les lauréats, un hommage a été rendu à Robert Sabatier lors de cette soirée. Robert Sabatier, membre du Conseil littéraire, est disparu en juin dernier. Robert Sabatier qui nous a quittés le 28 juin dernier. Et débutons ce retour sur ce palmarès par la remise du prix littéraire. Il récompense chaque année un écrivain pour l'ensemble de son œuvre. Et cette année, la Fondation a honoré le travail de Jean-Paul Kaufmann, ancien grand reporter, ex-otage au Liban et désormais écrivain. J'avais commencé des livres bien avant cette histoire libanaise, mais que je ne terminais pas. Pourquoi je ne terminais pas ? Parce que j'avais rien à dire. Donc il n'y avait pas cette chose, sans doute assez essentielle, assez vitale en moi, et qui a fait que bon là, je me suis mis à écrire et sans que ces livres d'ailleurs fassent allusion véritablement à ce qui m'est arrivé. C'est plutôt moi, je fais ça, je procède par la bande, de manière indirecte. Philippe Lançon a lui reçu la Bourse de la Découverte, chroniqueur et critique littéraire pour Libération. Le journaliste a été récompensé pour son premier ouvrage, Les Îles. Mais cette histoire, en fait, c'est d'essayer de montrer, de raconter pourquoi est-ce qu'on voyage, pourquoi les gens voyagent à certains moments, et aussi pourquoi l'amour et l'amitié finissent. À certains moments dans la vie. Et donc les lieux qui sont des îles, c'est-à-dire Hong Kong et Cuba, sont des lieux où pour les personnages de ce roman, ces questions vont se poser, puisqu'en fait le narrateur vit la fin d'un amour. La femme qui va devenir folle à Cuba va vivre la rupture d'une amitié très violente à Cuba du fait de sa folie. Et donc en fait c'est un peu les liens, le livre explore de manière un peu circulaire et très moite, on est dans la torpeur puisqu'on est sous les tropiques, explore la manière dont les liens qu'il y a entre le fait de voyager, le fait d'aimer, le fait de vouloir rester lié à des gens qu'on a connus par les souvenirs et puis en fait la manière dont on ne les retrouve pas forcément. Les lycéens ont, eux, décerné leur coup de cœur à Hélène Gernest pour Eux sur la photo. Dans son livre, l'auteur s'appuie sur des photographies pour faire avancer l'intrigue sur un secret de famille. Hélène Gernest a reçu cette distinction avec beaucoup d'émotion. Oui, je dois dire que c'est particulièrement émouvant quand ce sont de jeunes gens qui sont au début de leur vie et qui s'approprient l'histoire, ils remettent des morceaux de leur propre histoire. Nous en avons parlé cet après-midi d'une façon qui était très touchante. C'était une belle rencontre. Martin Smolka. D'autres prix ont été remis lors de cette soirée à la Salle Garnier, comme celui de la composition musicale, l'œuvre du compositeur tchèque Martin Smolka intitulée Bluebells or Bell Blues a été distinguée. Quant au coup de cœur des musiciens, il a été décerné à Kaija Sariao pour Dom le vrai sens.